Après avoir exploré différents courants musicaux et partagé ma passion avec de nombreux artistes, j'ai créé Kokas, qui est un mariage de différents styles musicaux dans un univers pop. Je suis de l'air en mouvement, mais plus intelligent que le vent. Comme toi, j'ai ma généalogie, je suis analogique ou numérique. Le plus coûteux de tous les bruits, je passe à travers toi et là je suis. Je suis devenu ton image, mais je n'ai pas le même âge. Depuis janvier 2018, je suis accompagnée sur scène pour interpréter la version live de mon album de 4 musiciens, dont un batteur, un bassiste, un guitariste et un pianiste. Nous avons présenté au Rex de Toulouse le 22 février notre concert live avec au programme le vernissage photo de Jean-Yves Valentin. J'ai la pensée analogique et abstraite, un savoir pour le transmettre. Je pense donc je suis devenu ton image, mais je n'ai pas le même âge. Une ouverture avec le groupe Balestrio Project, un groupe de fusion jazz. Le live Kokas et enfin une improvisation avec tous les musiciens de la soirée. Sans cœur et sans âme, tu as le langage et cette unique qualité d'être. Quand tu es porté, Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge sans te revenir au pot. Qu'on soit ma foi noir ou blanc de... Alors, dans un univers pop, j'ai écrit et composé un album de 12 titres que j'interprète. Chaque titre de l'album est relié à des actions socioculturelles et artistiques sous forme d'ateliers, de conférences ou d'interventions avec le soutien d'AKM. Alors, dans Instrument dit, c'est l'histoire d'un instrument qui nous raconte sa vie et sa qualité d'être quand il est porté. Un moment dur à passer, je ne veux plus être prêtée. C'est à lui que je me suis attachée. Pourquoi m'a-t-il laissé? Il voulait simplement me montrer, intégrer dans cette assemblée. Nous allons enfin communiquer. Prodiguer, jouer, sans s'arrêter. J'étais sans corps et sans âme, et maintenant j'ai le regard. Palingénésie. Alors un mot qui sonne un peu à sa manière, je vous l'accorde. Cela veut dire renaissance. Parce que tout commence par le battement de cœur. Choisir un acte héroïque, peut-être tragique. Tout se casse la gueule, mais je ne fais pas la gueule. La vie qui s'écoule, le temps qui s'essouffle. Enfin je respire, plongé dans mes souvenirs et mille raisons de m'investir. Mes projets, développer mes compétences artistiques et culturelles dans le domaine du spectacle vivant. J'ai fondé AKM afin de valoriser mon projet en autoproduction. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, l'équipe s'agrandit. Nous espérons continuer à jouer sur les scènes nationales, continuer nos actions socio-culturelles en lien avec chaque titre de l'album. Le but de Kokas, bien sûr, c'est de faire des musiques actuelles. Mais il y a une petite particularité pour ceux qui connaissent,
C'est le mélange des cultures. Mathilde, la chanteuse, est née en Afrique, et vous retrouverez des influences, effectivement, d'autres cultures. Ça, c'est une petite particularité. Les conférences, je vous en ai parlé. Et puis, vous verrez, pour ceux qui ne connaissent pas encore, que COCAS, en fait, s'est donné comme objectif de délivrer un certain message et des valeurs humanistes à travers la musique et aussi à travers les conférences. Donc, pour en savoir plus, je ne vais pas vous raconter ça ce soir, je vous invite à aller voir le site internet qui donne plus de détails sur tout ça. J'alise mes rêves, espoirs conquérants, sans trêve, ma queue encore dans mon âme.